Ça ne se voit pas, mais je suis à Dunkerque pour la première édition du World Street Dance, une compétition qui réunit 8 grandes nations de la planète hip-hop. C'est 8 délégations étrangères qui représentent un continent, c'est les grandes nations du hip-hop. Ces 8 nations s'affrontent entre elles, entre 12 danseurs par délégation, avec un manager qui a eu la lourde tâche de trouver les 12 danseurs. Là, on a souhaité que toutes les danses soient représentées, pas seulement que le breakdance, et donc on l'a élargi à la danse debout. Toi, tu as déjà tout gagné. Est-ce que c'est encore un défi pour toi d'être manager de l'équipe de France ? Monter un show en si peu de temps avec des personnalités tous différentes, de crews différentes, de villes différentes, avec une méthode de travail différente et de rassembler tout ça, c'était le plus gros des challenges. Pourquoi tu as choisi le thème de la haine pour cette chorégraphie ? C'est un film qui a marqué pour ma part ma jeunesse et tout ça et tout. Et j'ai toujours voulu faire un truc par rapport à ça. Parce que le film, il n'y a que des punchlines dedans et je voulais mettre les punchlines en mode danse. Sur quels critères tu juges les danseurs ? On a des critères de base qui sont style, musicalité, combinaison, esprit d'équipe, voilà. Donc c'est ça qui revient souvent. Mais la base, c'est musicalité, propreté. Est-ce que tu penses que c'est un show qui peut devenir le show référence au niveau de la danse, au niveau international ? Ça a été blindé les 2 jours, il y a eu des bonnes équipes, des bonnes têtes qui sont venues. Je pense qu'il va avoir des bons retours, tu vois. C'est vraiment un truc différent, c'est des délégations, tout ça et tout, ça s'est jamais fait en France. Par rapport à ce système-là, ouais, ça peut être un truc de référence. Alors, je suis avec un membre de l'équipe du Brésil. On va essayer de la faire en portugais. Qual é o estilo do time Brasil? Ah, o estilo do Brasil é muito caracterizado de acordo com nossas culturas e cada tem a passagem pelo esporte, pelo futebol, pela capoeira, pelo samba, pela experiência que temos no Brasil, de alguma forma mostrando para eles um pouco das nossas raízes e quem nós somos, entendeu? Então é isso, sempre trazendo isso com muita felicidade e muito orgulho de onde somos. Você não tem medo de viajar até aqui e de perder de novo contra a França? Não, eu já nasci preparado, né? A gente não costuma ter medo porque o medo, a gente é muito confidente, entendeu? Porque é só uma competição, entendeu? Então, se perder ou ganhar, não importa, eu já sou campeão. Porque nós somos campeão sempre, só o fato de você representar uma cultura, você já é campeão.
suis avec Sidney, monsieur HIPHOP, qu'on ne présente plus. Quand tu as commencé l'émission en 84, est-ce que tu imaginais un jour qu'il y ait des grands événements comme le World Street Dance en France? Tout ça, on ne pensait pas que ça allait durer 30 ans. En plus, on s'aperçoit qu'ici à Dunkerque, l'événement il est plus que fabuleux parce que des battles de hip-hop, il y en a partout. C'est devenu international. C'est comme si c'était ma retraite et que je touche une super retraite, quoi. Je suis hyper bien payé, voilà. Voilà, l'équipe finaliste et gagnante, le Japon. On se retrouve très vite. Les gagnants.